Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du samedi 3 octobre 2020. Aujourd'hui, je vais enfin débloquer le coureur runique. Donc, je m'attarde un peu plus sur l'introduction. Je vais terminer une mission. Et on y va. Ne vous fiez pas à l'humeur désastreuse de mon connemara. J'ai sorti juste pour qu'il tue mieux en fait. Et go go go. Ça fait tellement bizarre. Voilà, un trophée en plus sur le tracteur. Et on va parler. J'ai regardé quelques vidéos avant. C'est bon, hâte. C'est trop long. Tellement classe. J'adore les anciennes vers cinématiques. Ça fait toujours bizarre avec le ballon. C'est trop classe. Il y a même rien. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. C'est un jour important pour nous tous, pour les druides, pour les survivants et surtout pour Durina. Bravo, c'est du Durina tout caché. Vous connaissez même pas. Chut. Je ne peux pas m'en empêcher, j'ai une lumière aux yeux. Durina s'est formé rigoureusement sur ma tête pendant un on a appris l'art de ce writing. Au début, nous ne nous connaissons pas très bien, toutes les deux. Moi, je suis maintenant gagné une amie chère, une véritable source d'inspiration. Merci pour tout ce que tu as fait pour protéger, j'ai envie que tu changes. J'ai vu Durina et Cristal renforcer leur lien un jour après jour, jusqu'à en faire quelque chose de puissant et magique. Ensemble, ils ont vraiment appris l'art du surrading, un peu d'essayer Durina et Cristal. Ok, c'est la seule à m'applaudir. Sympa les autres. Oh, ok. Maintenant, après tous ces mois de persévérance, avant d'apprendre l'art du surrading, Durina a prouvé sa compréhension profonde de la voix des druides de Jorvik. Un témoignage de notre gratitude pour ses premiers mariages du don de Taïden. Nous aimerons lui donner à elle et son cheval l'occasion de se lier à un autre compagnon, un que les druides aiment de tout leur cœur. Le coureur unique. Oh putain. Ouais, c'est chelou, on donne à bouffer. Ouais. Donc, non, je vais déjà choisir. J'ai appelé. J'ai trouvé. J'ai trouvé que ça y allait plutôt bien. Là, c'était le gardien de l'université. Je vais trouver une autre. Donc voilà, j'ai choisi Spirit Factor, qui veut dire esprit combattant. Et c'est acheté, enfin, gagné. Putain, j'ai gagné un cheval? C'est une blague. Non. Si? En plus, mon cheval est passé niveau 13. C'est pas possible, c'est pas possible. Putain. Bon, vous allez voir, mon écuelle est un peu en bazar, comme mon inventaire d'ailleurs. Putain. Voici mon inventaire.
Mais c'est la fleur que j'ai fait hier. Magnifique. Magnifique. On va regarder un peu ces détails. On a une espèce de tendage au niveau du flanc avec des décorations au niveau des capes, quatre membres, les fanons tressés, ça ouvre bof. Une marque au niveau de mon cou et de sa tête. Des magnifiques silver amethystes. Et j'ai pas l'impression que les crins soient totalement collés, c'est-à-dire en 2D. Et j'adore ça. Et je vais voir si on peut changer ce profil. Enfin, ces crins. Alors, et donc en fait, on peut aller dans le magasin, mais on peut pas changer la coiffure. Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai hâte de la tourner parce que c'est compliqué, c'est spirituel.